Tiens, salut toi. Bouh, tu sens pas super bon. Mais bon, t'as l'air sympa. Allez, Zou, retourne d'où tu viens. J'ai du boulot, moi. Tiens, ça devrait te faire du bien. Oula! Hé, hey, doucement! Wow! T'as pas mangé depuis quand? Hé, hey, salut Mina! Salut, ça va? Tu tombes super bien! Ah bon, pourquoi? Tu devineras jamais qui vient d'arriver chez moi. Tristan. Mm-mm. Le prof de maths. Mm-mm. Johnny Depp. Mm-mm. Mm-mm. Incroyable! Un chat? T'as un chat, toi, maintenant? Il s'est incrusté. Le problème, c'est que maman va faire une attaque. Ouh! Et elle adore les animaux, non? Ouais, sauf les chats. Ah bon? Ça date de quand elle était petite. Un jour, elle jouait tranquillement dans le jardin à Mortebouze. Tout d'un coup, elle a vu passer un chat tout mignon. Elle a voulu le caresser, mais le chat s'est sauvé et il est monté direct en haut d'un arbre, tu vois. Du coup, ma mère, elle a grimpé pour rejoindre le chat, tu comprends? Mais ce chat, en fait, il était pas trop sympa. Il lui a déchiqueté la main, le chat, sous le coup de la douleur. Ma mère, elle est tombée de l'arbre, pile dans une flaque de boue. Aïe, la tuile! Tu m'étonnes. En prime, elle a pris une fessée pour avoir abîmé ses vêtements. C'est pour ça qu'entre elle et les chats, c'est la haine. Dure. Et là, au fait, elle est où? Elle fait du shopping. Elle a décidé de changer de look. Encore? Bah ouais. Bonjour. Bonjour, mademoiselle. Je peux vous être utile? Oui. Voilà, j'aimerais changer de look. Il me faudrait de nouveaux vêtements. Ça tombe bien, on en vend. Oui, bon. Vous préférez quel style? Ben, en fait, j'aimerais quelque chose de féminin, mais quand même pas trop. Je ne suis pas non plus, vous voyez quoi. Je veux dire, ce qu'il me faudrait, ce sont des vêtements qui fassent jeune, mais qui me donnent une certaine maturité. Et surtout, un truc assez habillé pour que je puisse le mettre tous les jours. Je vois que madame sait ce qu'elle veut. Et toi, t'aurais pas envie d'adopter un chat? Avec Jean-Pascal, t'es dingue! Il est hyper jaloux comme chien! Non, ce qu'il faudrait, c'est le refiler à quelqu'un. Oh, j'ai une idée! S'il vous plaît. Oh, magnifique! Ouais, c'est pas mal. Un peu strict, peut-être. Et puis, ça me vieillit, non? Et c'est un peu serré à la taille. Et puis, j'aime pas trop la couleur. Non, non, je vous assure, c'est nickel! Ouais. Finalement, bof, je vais essayer autre chose. Prenez votre temps. T'es sûre de toi? Sûre. Ah. Madame Schurm, c'est l'amie des bêtes. Elle recueille tous les animaux errants. Qu'est-ce que c'est? Vous venez payer le loyer? Non, c'est moi, Madame Schurm, c'est Lou. J'arrive, ma petite, j'arrive. Bonjour. Voilà, on a trouvé un petit chat et on se demandait si vous pourriez pas l'adopter. S'il vous plaît. Il est à qui, ce chat? Ben, comme on l'a... Et trouvé... comment il s'appelle? Oui, ben, je sais pas. Il est propre, moi. J'en sais rien. Bon, d'accord, je le garde. Alors, on est un bon chat-chat. Ah, voilà. Tu vas te plaire ici. Tu as plein de nouveaux copains. Oui. Je te présente ta nouvelle maison. Oula, doucement. Mais n'aie pas peur. Reviens, Minou, reviens. Minou. Il a filé. Tant pis pour lui. Il a vraiment un caractère de cochon, ce chat. Allez, viens, fais pas cette tête. C'est sûrement mieux comme ça, avec ta mère et tout. Mmh.
Il a dû repartir chez lui. C'est pas ce que tu voulais. Oh, dingue! Il est revenu! Génial! Mince alors. Bon, cette fois on va l'attraper et le donner à quelqu'un qui saura s'y prendre avec lui. Hey! Où tu vas? Viens ici! J'y arrive pas! Bon, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Ça se porte comme ça. Vas-y, coince-le. Caramba! Encore raté. J'ai une autre idée. Je vais louer un costume de souris et... N'importe quoi. Et si t'avais été plus à droite pour l'attraper aussi? Oh, ça va, hein. Si tu le prends comme ça, je te laisse te débrouiller toute seule. Attends, je m'excuse, là, voilà. Bon, ok. Mais si tu veux capturer ce minou, tu devrais faire appel à un professionnel. Mais qui? J'en sais rien, moi. Un gardien de zoo ou un dompteur? L'ancien de l'immeuble! Il était dompteur? Non, mais je crois qu'il a passé une partie de sa vie en Afrique et il paraît qu'il aurait capturé des milliers d'hippopotames. Quoi? Ben oui, c'était son métier. Là-bas, il était... des hippopotameurs. Ah! Oh, superbe! Ah oui, j'aime bien. Qu'est-ce que c'est? Alors? Bonjour monsieur, excusez-nous de vous déranger. Voilà, j'ai un petit problème. Figurez-vous qu'il y a un chat chez moi. Il est en train de squatter. Mais en même temps, j'ai pas envie de le chasser. Mais il y a ma mère, elle s'achète des fringues. Elle déteste les chats. Et du coup, il s'est planqué sous le lit. Alors, j'ai besoin d'un petit peu d'aide. Et j'ai imaginé qu'avec votre passé en Afrique, vous auriez pu nous aider à l'attraper. Et... Hé, où allez-vous comme ça? La chasse aux félins est ouverte. Restez ici, camarade. Ça peut être dangereux. Vous savez, c'est juste un chat. Ce n'est jamais juste un chat. Il m'a donné du fil à retordre, mais je l'ai harponné. Qu'est-ce que vous allez en faire? Le garder, c'est justement l'ingrédient qu'il me manquait. L'ingrédient? Monsieur, attendez. Oh, salut Louloute, t'aurais dû venir avec moi. Je me suis éclatée. Ben, c'est quoi cette tête tristounette? Rien. Faut que j'y aille. Salut Mila. Salut. Bon, moi je rentre. Salut. Ben non, qu'est-ce qui ne va pas? Non, rien. C'est juste que... Ah! Quoi? Là, il y a un... Il est monté sur... Ah non, je déteste les... Hé! Hey! Je ne veux pas de cet animal ici! Non, il ne peut pas rester! Ah! Attends, je vais le faire sortir. Ah, c'est vous, monsieur.
Dis donc, l'ami, t'aurais pas vu mon ingrédient? Il a filé comme un lâche. Il y a du nouveau, monsieur, on a décidé de le garder, en fait. Ah bon? Dommage. Enfin, si vous changez d'avis, faites-moi signe, et avant la prochaine pleine lune, si c'est possible. En Super 4, tir au flanc, ou la flaque, ou le boulet, ou Brandon 8, Hulk, Nyarlathotep, Kid Gérard. Petit chat, c'est maman. S'il te plaît, maman. Hey, ça t'ennuierait de m'aider à lui trouver un nom? Je cherche. Petit. Mongo Elvis. Chachoumou. Ah non, j'ai trouvé. Super Satori. C'est bien ça. Bof. Oui, il m'aime à la folie. Pas du tout. Alors, qu'est-ce que tu vois? Un rideau. Mina, c'est une catastrophe. Arrête, je suis sûre que tu t'inquiètes pour rien. Peut-être que le soleil le gêne. Mais il est couché, le soleil. Ok, mais ne commence pas à déprimer, hein. Et si ça se trouve, il lui joue un morceau de guitare. Oh non, j'imagine la scène. Elle l'écoute, elle est sous le charme, elle s'approche de lui, et elle... Oh, c'est officiel, je déprime. Mais enfin, Lou, réfléchis un peu. Tristan et Solène, ils ne sont pas dans le même monde. Elle, ce qu'elle aime, c'est le rouge à lèvres pailleté et les potins de star. Elle fait aussi du karaté, je te signale. Ok, mais avant tout, elle adore les soirées pyjama. Mina, t'es géniale, hein? Je t'expliquerai plus tard. Hé, hey, Lou, t'es là? Oh, Lou! Maman, je te dérange pas? Tu travailles? Le poste fin de niveau, c'est le poste fin de niveau! Maman, j'ai beaucoup réfléchi. C'est bien ça, ma chérie. Prends ça, toi! Je me suis rendu compte que j'avais pas beaucoup d'amis, et ça, c'est pas bon à mon âge. Oui? T'as cru m'avoir, hein, tête de poule. Donc, j'ai décidé d'inviter les filles de ma classe à une soirée pyjama. Yes! Je t'ai eu, gros naze. T'es d'accord? Hein? De quoi? Une soirée pyjama? Oui. Et c'est une super idée, ça. On pourra faire des pop-corns au micro-ondes et regarder un film d'horreur et... Maman, les soirées pyjama, a priori, c'est sans les adultes. Ah bon? Je t'en supplie, Loulou, t'invite-moi. Je me ferai toute petite, j'ai toujours rêvé de participer à une de ces soirées. Oh, s'il te plaît, s'il te plaît. Salut, à Ciao. Plus. Bon, alors, c'est quoi déjà au juste mon idée géniale? Voilà, j'invite Solène à une soirée pyjama et au cours de la soirée, on joue à Action Vérité. Et là, je lui pose la question... Que faisais-tu chez Tristan jeudi soir? Et elle est obligée de répondre. Tadam. Sauf si elle choisit action. On lui laissera pas le choix. T'as raison. Ce plan est totalement génial. Reste à l'inviter. Il y a vraiment des jours où je m'épate, moi. Voilà, tu sais tout. C'est marrant. Je savais pas que tu aimais les soirées pyjama. Ben, en fait, si. Alors, Solène, ça te dit? Moi, je trouve que c'est une super idée. On n'avait rien prévu samedi.
Hum? Mais c'est-à-dire que je pensais... On arrivera vers 8h, hein, les filles. Mm-hmm. Ouah, génial, une soirée sans adultes. Sans adultes? Je pensais que... Ne nous dis pas qu'il y aura tes parents. Non, bien sûr que non. Bon, à samedi alors. Salut. Alors, à samedi. Alors, on a 3 problèmes. Petit 1, Solène vient, mais ses copines aussi. Petit 2, va falloir empêcher ses copines de parler à sa place. Petit 3, ma mère veut venir à la soirée. Et ça, c'est pas possible. Tu m'as pas dit que tes parents organisaient un truc samedi? Un dîner chicos avec les collègues de mon père. Mina, tu viens encore de me donner une idée géniale. Tu sais, je ne pense pas que ton père apprécierait qu'on invite une personne qu'il connaît à peine. Maman, je peux te poser une question? Bien sûr, ma grande. Comment ça se fait que c'est toujours papa qui décide de tout? À 20h30? Vous voulez que j'amène quoi? Rien, vous êtes sûre? Ben d'accord, alors. C'est vraiment gentil de m'inviter, je... Ok, à samedi alors. Lou, j'ai une mauvaise nouvelle. Ah bon? J'ai accepté une invitation à dîner, la mère de Mina. C'est samedi en même temps que la soirée pyjama. Je pourrais pas être là. T'es pas trop déçue? Il faut accepter de voir un jour ses parents voler de leurs propres ailes. C'est dans l'ordre des choses. Je me demande parfois comment tu peux être aussi mature. Yes! Ah, vous voilà enfin. On n'attendait plus que vous. Oups, mince. C'était une soirée déguisée. Comment ça? C'est pas une soirée déguisée? Mm-mm. Bon, ben, en tout cas, j'ai apporté de la musique. Vous avez vu les filles? J'ai un nouveau pyjama. C'est pas le même que la dernière fois? Non, l'autre, il était rose. Oh. Mais vous êtes cloche ou quoi? C'était pas le même rose. Super fun ta soirée, presque aussi fun qu'un enterrement. T'inquiète, je vais arranger ça. Hé, hey, les filles, et maintenant si on jouait à Action Vérité? Ah non, maintenant c'est pile le bon moment pour regarder un film et j'ai exactement ce qu'il nous faut. Ouais, c'est super. Je vais vous montrer un concret. Vous permettez que je mette autre chose? Oui, oui, allez-y, évidemment. Vous n'êtes pas très rock, c'est ça? Le buffet est prêt. Je te félicite pour le choix judicieux de ton invité. En tout cas, elle est moins coincée que les tiens. Sympa le mini sandwich. J'ai lu son dernier livre, Il baisse. Sa vision du structuralisme dans notre société moderne est d'un vulgaire. J'aurais souhaité qu'il parvienne à dépasser le choses modernes à la crème de Qu'est-ce qui t'arrive encore? Mais rien, mon chéri. Voudrais-tu passer le reste de tes jours à mes côtés, douce Amandine? Je ne sais pas, car tu n'es qu'un simple palefrenier. Dites, les filles, ça vous dirait pas plutôt un bon film d'horreur? Plus fort que mon père, il est très musclé. Tu vas mourir, petite boule de mozzarella maudite. Je n'ai pas du tout dit mon dernier mot, mini tomate des enfers. Oh, flûte. Ma vieille, il ne faut pas te voiler la face. Tu passes la soirée la plus lourdingue de toute ta carrière d'être vivant. Un amazing hunt. Je t'aime. Moi aussi. Je t'aimerai toujours. C'est beau comme du vernis à ongles, la paillette dorée. Oh, et tellement romantique. Bon, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Bataille de colochons. Ouais. Qu'est-ce que c'est?
Mais enfin, qu'est-ce que vous faites? C'est un flipper de collection. Robert interdit formellement d'y toucher. Tu veux dire qu'il a un flipper mythique comme ça chez lui et qu'il ne joue jamais avec? Évidemment, quelle idée! Tu veux pas essayer? Allez, juste une petite partie. Bon! Y'en a marre! Maintenant, on joue à action-vérité, sinon je réponds plus de rien. Bah, tu vois, quand on leur parle gentiment. C'est vrai que c'est rigolo comme tout. Ne me dis pas que c'est la première fois que tu y joues. Eh bien, si. Mais tu faisais quoi au collège après les cours? Mes devoirs. D'accord, ça devait pas être très marrant ta vie d'ado. C'est ce que je commence à me dire, effectivement. Oh là, derrière vous, mon chat. Alors, Solène, action ou vérité? Vérité. Parfait, voyons. Qu'est-ce que je pourrais bien te demander? Attends. Ah oui, qu'est-ce que tu faisais jeudi soir chez Tristan? Bah, Tristan avait besoin de mes conseils en maths parce que je suis la première, alors je suis montée chez lui pour l'aider. C'est tout? Bah oui, c'est tout. Et les rideaux? Pourquoi est-ce qu'il a tiré les rideaux? C'est moi qui lui ai demandé. Je voulais les voir en entier. Ils sont ridicules. Il y a des petites guitares dessinées dessus. Je le savais. Il n'aurait pas pu me faire ça. Pourquoi? T'es amoureuse de lui? Rien ne m'oblige à répondre à cette question. Je choisis action. Ok, alors moi je dis que tu dois téléphoner à Tristan et lui dire que t'es amoureuse de lui. Allez, pousse dehors. Mais enfin, et la soirée pyjama, tu peux pas l'arrêter comme ça? Bien sûr que si, je peux. On n'a qu'à dire que c'est mon gage. Tu assures au baby-foot, dis donc. Tu dis ça pour être sympa. Quand je joue au baby, je suis jamais sympa. Lou, qu'est-ce qui se passe? Un problème? Joss, ça te dirait une petite soirée pyjama? C'est-à-dire que... Et la soirée de Robert? Les invités? C'est toi qui vois. Tu sais quoi, maman? Tristan a des rideaux avec des guitares dessinées dessus. Génial. J'adore. Moi aussi. Alors, les filles comme d'habitude, votre table est prête. Merci.
Et voilà, Mia Poupa. Merci. Il faudrait un quatrième menu. Richard déjeune avec nous. Richard? Ma quel Richard? C'est les garçons avec la tête des fouines et des poils dans les oreilles. Non, lui c'est... Alors c'est celui qui photographie les pigeons et qui met des tongs en plein hiver. Non, lui c'est Franck, perdu. Richard c'est notre voisin, l'homme idéal, pas vraiment? Oh, Lou. Bonjour, bonjour tout le monde. Je vous présente Gino, voici Richard et Richard, voici Gino. Ah, belle, Richard, je suis sûr que vous avez toujours rêvé de visiter une pizzeria. Ben, en fait, pas vraiment. Massi, suivez-moi, en route pour une visite guidée spéciale, Gino. Il ne va pas oser lui faire passer le test quand même, si? Si, j'ai bien peur que ce soit ça. Ben, fallait s'y attendre, c'est son rituel, il l'a fait à tous les autres. Waouh, elle est super nickel, votre réserve. Il va où, l'escalier? Il conduit au jardin. Et là, c'est... La chambre est froide. Ouais, ça porte rudement bien son nom. On peut pas dire qu'il fasse très chaud. Alors, il paraît que vous êtes l'homme idéal. De qui? De Mia Poupa. Vous êtes amoureux d'elle. Amoureux? C'est juste une voisine. Pour l'instant. Ah, porca miseria! Ma qu'est-ce qu'elle vous trouve? Pourquoi je... C'est quoi ce look? Regardez-moi ça! On dirait un gilet en peau de mouton morto. C'en est un. Non, mais qu'est-ce qui vous fait dire que je suis amoureuse de Richard d'abord? La première fois que tu l'as croisée, t'étais pétrifiée, toute rouge. Tout ce que t'as pu dire, c'était... un peu comme Lou maintenant, là. Hey, c'est pas Tristan, là? Mais si! Le jour J du premier contact est arrivé! Ma petite cocotte, tu vas enfin lui parler! Te dégonfle pas! Lamentable. Donc, pour résumer, vous avez fait du curling et vous écrivez une hôtesse. Et je joue aussi de la contrebasse. Désolé, ça ne va pas coller avec Poupa. Vous êtes trop... farabuto. Farabuto? Qu'est-ce que ça veut dire, farabuto? Bon à rien. Comment? Et vous pourriez rester poli. Allez, finis la comédie. Je vous laisse ici avec vos copains les calamars surgelés. Moi, je remonte. Porca miseria. Le pizzaiolo aurait tout de même pu nous apporter le menu. Allez, papy, t'énerve pas. Pour une fois qu'on va au restaurant. Ah non, je suis pas sûr, mais il y a des limites. Vous avez raison, monsieur. Et ma salade, alors? Il est allé la cueillir dans le jardin ou quoi? C'est vrai qu'il est plus long que d'habitude, le test de Gino. C'est mauvais signe, ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Ce qui est mauvais signe, c'est cette odeur de brûlé. C'est dingue comme ça réduit à la cuisson une pizza. Alors, c'est une pizza 4 saisons, c'est pour l'été prochain ou quoi? Bien, comme dirait Sidéra, la baroudeuse du cosmos. Quand il faut y aller... Il faut y aller. Lou, tu vas prendre les commandes des clients. Notamment celle de Tristan. Bon, alors tu vas essayer de retrouver Richard et Gino. Bien, donc c'est Mina qui va prendre les commandes. Tiens, serre des olives aux clients, ça les fera patienter. Et toi, tu fais quoi? Ben moi, je cuisine. Faut bien les nourrir, tous ces braves gens. Maman, la dernière fois que t'as fait une purée, t'as oublié de cuire les pommes de terre. Je vais assurer. Je parie qu'il y aura au moins un client satisfait ce soir. Ok, si c'est pas le cas, c'est toi qui t'occupes de la lessive cette semaine. Ça marche. Madre mia, je vais perdre ma clientèle, faire faillite et être obligé d'aller vivre dans les bois. Mais non, Gino, rassurez-vous, nous serons congelés bien avant. Tout ça, c'était votre faute. Quoi? J'étais juste venu pour manger une pizza avec ma voisine. Qui m'a amené ici, hein? Qui? Et qui a cassé la poignée? À cause de vous, on est enfermé. Trouvez une solution pour nous sortir d'ici et presto subito. Pas de problème. Figurez-vous que je ne suis pas du genre à me laisser démonter, moi. Au secours, les filles! On est coincés dans la chambre froide! Gino! Richard? Vous êtes là? Allez!
Ouvrez-nous! On est là! Ouvrez-nous! Au secours! Oh. C'est bien ce que je disais, Farabuto, si! Alors, Gino et Richard? Introuvable, la porte du jardin est ouverte. Ils sont peut-être sortis? Génial, à dire qu'on avait prévu un déjeuner sympa. Tant pis, on se passera d'eux. Vous voulez encore des olives? Oui, avec 3 pizzas napoletana en dessous, s'il vous plaît. Ça marche. 3 napoletana pour la table de Tristan, c'est urgent. En voilà une, chaud devant. C'est quoi ça? Une calzone. Et comme je n'ai trouvé ni jambon, ni fromage, ni champignons, dedans il n'y a que des brocolis. Allez ma cocotte, courage, apporte ça à Tristan et profites-en pour lui adresser la parole. Go, go, go! Allez! Mirette! Merci. Ça a l'air très bien cuit. Allez, vas-y, dis-lui quelque chose. Assure. Vous avez de l'huile pimentée? Non mais elle n'est pas un peu godiche, cette fillette? Un peu, tu es bien bonne, elle a deux mains, elle n'apporte qu'une pizza. Elle peut dire adieu à son pourboire. Oh, soyez un peu cool, elle doit être ici pour aider. C'est la première fois que je la vois servir des pizzas. Mais qu'est-ce que t'as fabriqué? T'y étais là, t'avais escaladé toute la montagne, t'avais les neiges éternelles à portée de main, hein? Je sais pas, j'ai eu comme le vertige. Eh oh les minettes, il y a des tas de pizzas made in moi à distribuer, alors au boulot! Je connais une louloute qui va se taper une semaine de lessive. Tenez. Je suis désolé d'avoir cassé la poignée, Gino. Et moi je regrette de vous avoir amené ici pour vous interroger. Mais Poupa, c'est comme mia bambina. Dès qu'il s'agit d'elle, je deviens très inquiet. Moi, quand je la vois, j'ai envie de souffler doucement sur sa frange, de partager mes céréales avec elle et de lui jouer de la contrebasse jusqu'à ce qu'elle s'endorme en boule comme une petite marmotte à côté de moi. Bene. Et une pizza bolognaise. Une. Vous mettez des ananas sur la pizza bolognaise, vous? Oui, et pas de viande. C'est une nouvelle et brillante idée du chef. Je préférais quand le chef n'avait pas d'idée. Et une pizza volcano pour mademoiselle. Alors? Eh ben, 100% des clients sont insatisfaits. Même le bulldog de Monsieur Verdier n'a pas terminé. Bah, je vais à la réserve chercher de la glace à la pistache. Mais personne n'a commandé de glace. Si, moi, j'ai besoin d'un remontant. Quand Flavio vit sa bien-aimée, il s'en fallut de peu qu'il ne mourût de joie au triste souvenir de ses infortunes passées. Autant que sous les poids de son bonheur présent. Hein? Vous connaissez les poèmes italiens du 14e siècle? Ah, bien sûr, c'est une de mes passions. Et moi, c'est le sujet de ma thèse. Mal dans mes bras. Ben vous voilà enfin. Je vous signale que pendant que vous papotez, moi je suis obligée de faire la cuisine. Quoi? Opération addition. Destination, la table numéro 7. Cible, Tristan. Objectif, entamer une conversation avec la cible. Ok? Oui, chef. Parfait. Nous ne remettrons jamais plus les pieds ici. Que t'as trouvé? Rien du tout. Boubou n'a jamais aussi mal mangé. Maintenant, il a des crampes d'estomac. Moi aussi. C'était immonde. Absolument infect. Non, ne partez pas. Restez, Gino, et de retour. Pizza gratuite pour tout le monde. Si c'est gratuit, alors assis, Boubou. Alors, ça s'est bien passé avec Gino? Disons qu'on a brisé la glace. Bella come il bianco fiore.
a mis du guacamole dans la pizza mexicaine. Ben oui, pourquoi? Oh, mamma mia! Ben, le guacamole, ça vient du Mexique. Re-salut. Tu t'aurais pas trouvé mon médiator par hasard? J'ai dû l'oublier sur la table. Bon, tant pis. À plus. Au fait, madame, si j'ai bien compris, c'était vous le pizzaiolo aujourd'hui. Mm-hmm. Bon, bah, je voulais vous dire que moi, j'ai bien mangé. Allez, salut. Yeah! À toi la semaine de lessive, ma louloute. Pas de problème. J'ai parlé à Tristan pour la première fois, il a plu toute la journée. Ma robe ressemblait plus à rien, mes cheveux non plus d'ailleurs. J'étais trempée jusqu'aux os, mais c'était le moment le plus romantique de toute ma vie. Quand il m'a donné son numéro de téléphone portable, j'avais les mains toutes moites. Heureusement, tout s'est bien passé. La honte, sinon, quand on échange son numéro de téléphone, c'est un peu comme un mariage, non? Et maintenant, tu comptes t'en servir ou tu vas l'exposer dans un musée? Ben oui, y a pas le feu non plus. Et puis c'est pas à moi de l'appeler en premier, hein. Je suis une fille, ça ferait trop... Ça ferait trop, quoi. Eh ben, trouve un prétexte pour l'appeler, alors. Un truc qui fasse pas trop, comme tu dis. Je sais, il aime la musique. Je vais lui laisser un message musical. Ah ouais, ce sera hyper romantique. Main? Ouais, on arrive. Ta mère dîne avec nous. Quoi? Ne t'inquiète pas, Mina chérie, je ne suis pas venue pour te ruiner la soirée. En revanche, ton père, lui, n'a pas hésité à gâcher la mienne. Vous vous êtes disputée, c'est ça? Non. Ton père a eu la gentillesse de me dire que j'étais une psycho-rigide maniaque de l'organisation. J'ai donc décidé de prendre du recul pour réfléchir à cette pertinente remarque. Ouais, ok, c'est bien ce que je dis. Vous vous êtes disputée. Bon, je voulais préparer un bœuf bourguignon, mais je n'avais ni bœuf ni bourguignon. Alors, c'est spaghetti party. Ouais! Oh, des spaghettis, comme c'est amusant. Robert n'a aucun sens de l'organisation. Imagine, il refuse de ranger ses vêtements par ordre alphabétique. Dingue. C'est comme pour les placards de notre cuisine, figure-toi qu'il met toujours tout en vrac. Chez toi, je suis sûre que c'est hyper bien rangé, hein? Ouais, c'est pas ça non plus. Oui. En fait, niveau organisation, je suis... pas très bonne. C'est étonnant. Mais alors, comment fais-tu pour écrire efficacement ton roman? C'est-à-dire que j'écris pas très... pas très efficacement, justement. Ne m'en dis pas plus. Je sais ce qu'il te faut pour retrouver ton énergie. Des nouveaux jeux vidéo? Non, un coach. Choix de la chanson. Alors là, attention, s'agit de pas se tromper. Voyons, le téléphone sonne de Jean-Jacques François... Oublie, c'est un vieux disque de ma grand-mère. Attends, Stacy G, j'ai grave besoin d'amour. Mais t'es dingue ou quoi? C'est trop clair comme message. Oh, bon alors, ça y est, j'ai trouvé. Écoute-moi cette merveille. Oh. Bouffi! Hey!
Les jeux vidéo avant de dormir favorisent les troubles du sommeil. Mais... Pas de discussion. Allez, hop, au lit. Alors, qu'est-ce qu'on dit à son coach? Pitié? Non, on lui dit merci de veiller sur mon précieux sommeil. Quoi? 6 heures? L'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt. Je t'attends à la cuisine. Petit déjeuner macrobiotique, c'est parfait pour l'inspiration. Tofu au céleri, pain au céleri et fromage blanc... Au céleri. Non, nature. Tu as 5 minutes pour manger. Enfin, là, tu n'as plus que 4 minutes 35. Au programme, tu écris de 7h à midi, 2 pages par heure, avec une petite pause de 5 minutes à 10h. Je ne suis pas un bourreau tout de même. Allez, et médite cette pensée de Maître Kato. Ne gagne pas après avoir frappé, mais frappe après avoir gagné. Prête? Prête. Hey, salut, après le bip, vous savez quoi faire? C'est Lou. Tu sais, la fille sous la pluie, là, tu te souviens? En fait, j'ai découvert une chanson géniale que j'aime bien et je voulais te la faire écouter, quoi. Hier soir, je suis tombé dans le fumier. Et c'est pour ça que je croyais que c'est pas vrai. Mais quelle croûte débile, ce chat! Hier soir, je suis tombé dans le fumier. Votre message a bien été enregistré. Vous pouvez raccrocher. Non! Lou, je t'en prie, sors de cette malle. Non, plus jamais. Tristan n'a pas pu écouter ton message à cette heure-ci, il est encore au water polo. Alors on va aller à la piscine, récupérer son portable et effacer le message. Ni vu, ni connu. Tu crois? Ça y est, il est là, je le vois. Oh là là là, il est trop beau avec son bonnet. Regarde plutôt son poignet, voir s'il a sa clé de vestiaire. Ben, il bouge tout le temps les bras, c'est pas évident. Hein. Pff, en tout cas, je vois pas de clé. Laisse tomber, ça sert à rien. Attends, il l'a peut-être laissé sur les gradins, avec sa serviette, par exemple. Pff, je vois rien d'ici, il faudrait que j'aille au bord du bassin, mais il va me reconnaître. Bah, pas forcément. Alors dites donc, faut pas vous gêner. Non, mais c'est parce que on avait besoin pour la clé. Enfin, je veux dire, je pouvais pas. Désolée, madame. Vous là, mon casier, faut pas vous gêner. Comment ça, votre casier? Casier numéro 9? Ah, ben oui, je me suis trompée. Tenez, redésolée. Bande de jeunes, va. Je vais au marché bio. On va manquer de céleri. Dommage pour toi, il manque les piles. Hein? J'ai pris les dés, c'est pas l'heure du tripot. Au boulot. Vous avez un nouveau message. Aujourd'hui à 9h47. Tapez 1 pour rappeler votre correspondant. Lou, ils ont fini de jouer. Faut aller remettre la clé sur la serviette de Tristan. Allez, grouille. Nous n'avons pas compris votre demande. Tapez 1 pour rappeler. Nous n'avons pas compris votre demande.
Encore vous? Non, mais vous allez me laisser tranquille à la fin. Rendez-moi ma serviette. C'est moi. Je t'ai ramené du céleri et plein d'autres choses hyper saines. Tu as fini tes pages? Je peux les lire? Je t'en prie. Tout va bien, Joss 41? Affirmatif. Réorganisation du vaisseau achevée. Parfait. On va passer en vitesse lumière. Allons-y. J'ai pris la liberté de réorganiser le tableau de bord. Pour enclencher la vitesse lumière, il faut désormais utiliser le levier du pilotage automatique. Pour lancer le bouclier à neutrons, il faut se servir des manettes des moteurs auxiliaires. Le système de reconnaissance spatiale se trouve... Sympa. Je fais tout pour t'aider, et c'est comme ça que tu me vois, comme un insupportable robot que tu largues dans l'espace. Non, enfin, je veux dire... Oui, bah quoi, reconnais que parfois t'es un poil maniaque, non? Heureusement qu'il y a des maniaques comme moi pour assister des adolescentes attardées comme toi. Et heureusement qu'elles sont là pour t'héberger, les ados attardés. Franchement, j'ai rarement passé une aussi mauvaise journée. C'est lui? Qu'est-ce que je fais? Bah, vas-y, décroche! Allô? Tiens, salut! Mon message? Ah bon? Génial! Oui, c'est sûr. Ok, bye! C'est fou! Il a eu mon message et il l'a trouvé rigolo! Tu te rends compte? Il m'a trouvé drôle! Oh, c'est magnifique! Attends, tu crois qu'il me voit comme la bonne copine rigolote? Non! Si, 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 c'est ça, je l'ai bien senti à son intonation de voix. En fait, je passe pour le clown de service, quoi. Stop, cette fois, ça c'est... Tu vas l'appeler, lui faire écouter ta chanson et basta, ok? Ok. Coucou. Ça va? Tu fais quoi? Rien, je... ben... rien. C'est quoi ces gommettes? C'est un petit classement avec des indices de couleurs. Bleu pour les jeux vidéo de combat, vert pour les jeux de sport et rouge pour les jeux de stratégie. Pour l'instant, je n'ai utilisé qu'une seule gommette rouge. Ok, je suis peut-être un petit peu maniaque. Et moi, je suis peut-être un petit peu désordonnée. Désolée de m'être fâchée contre toi. Désolée aussi. Au fond, t'es un bon coach. D'ailleurs, j'ai réussi à écrire mes pages. Mais faut pas trop te mettre la pression, si j'ai bien compris. T'es prêt? Oui. J'y vais. Écoute. Sidera avait envie de... Sidera se demandait... Sidera ne savait pas du tout quoi faire. Enzyme utilisée pour catalyser le gaz carbonique.
en 11 lettres. Ça commence par un C. Je vois pas. Puis là, je travaille en plus, ok? C'est bien la peine d'avoir fait des études si tu ne peux même pas m'aider aux mots croisés. Je te rappelle que j'ai fait des études de lettres, maman, pas de chimie. Et à quoi elles te servent, tes études de lettres, hein? À essayer d'écrire un livre de transcription? Science. Fiction, maman. C'est pareil, pas d'arrogance avec moi. Dire que je t'avais trouvé une place en or au PTT de Mortebouze pour remplacer la mère Bijard qui faisait des crises de goutte à répétition. Mais guichetière à Mortebouze n'était pas assez bien pour mademoiselle. Tu as fait la difficile. Là, prends ça, pourriture extraterrestre. C'est comme ça que tu écris ton livre? Si tu veux, là, je fais une pause entre deux chapitres. Mais sinon, je suis à fond, hein, j'avance bien. Tu parles au rythme où tu tapes sur ton fourbi, là. Je serai à l'hospice avant de lire la moindre ligne. Je te signale que j'ai presque terminé le troisième chapitre. Eh bien, moi, je te parie qu'il ne sera toujours pas fini ce soir, paresseuse comme tu es. Ok, pari tenu. On va voir ce qu'on va voir. Sidéra se retrouvait une fois de plus face à sa mère, l'infâme reine des ombres dont l'haleine putride n'avait d'égal que sa cruauté. Tu te rends compte, ce soir je vais à un concert de hip-hop toute seule, enfin je veux dire, sans que ma mère m'accompagne. Oh, incroyable, comment t'as négocié ça? Je lui ai dit que je commençais à ressentir des pulsions d'autonomie et qu'il ne fallait surtout pas les contrarier, sous peine de conséquences désastreuses pour le reste de mon adolescence. Ouah, et elle t'a cru? Non, mais elle a demandé conseil à son psy et il lui a dit la même chose, alors elle s'est inclinée. Hé, hey, ça te tente de venir au concert alors? Je sais pas, je suis un peu crevée ce soir et puis il y a ma grand-mère et... Comme tu veux. En tout cas, Tristan y sera, je crois. Et c'est à quelle heure ton truc? Si. Qu'y a-t-il, Dr. Sanders? Idiotie de technologie. Soyez forte, Barbara. Oh, ça a été attaqué par un requin. Oh, mais c'est horrible, le pauvre. Rassurez-vous, il va s'en sortir. Je parle du requin. Ah, malheureusement, la bête n'en a plus pour longtemps. Quelle est gourde, cette Barbara. Justicière du cosmos, ce n'est pas un métier, déclara la reine des ombres. Je n'irai plus jamais sur cette bouse. Ohé, salut la compagnie. Je suppose que si je vais à un concert toute seule ce soir, ça ne te dérange pas? Désolée, j'ai trop de boulot là, je ne peux pas t'emmener à ce... En fait, j'ai dit toute seule. Comment ça toute seule? C'est-à-dire que... T'as 12 ans quoi, hein? C'est un peu jeune, non? L'année prochaine peut-être, mais bon là, non quand même. Maman, permets-moi de te dire qu'il ne faut pas contrarier ce genre de pulsion d'autonomie sous peine de conséquences désastreuses pour le reste de mon adolescence. Je prends le risque. Désolée, mais pour les concerts, t'es quand même encore un chouïa trop petite. Bah ça alors, quand il s'agit d'appeler la compagnie du téléphone parce que t'as oublié de payer la facture, là je suis pas trop petite. Et pour aller acheter de l'huile pimentée en urgence, je suis assez grande tout à coup. Ben oui, mais c'est pas la même chose quand même. Et alors, c'est pas bientôt fini tout ce tintouin? Je comprends rien à ce que raconte le Dr. Sanders. Bon, écoute, pour une fois que je te dis non, alors c'est non, et c'est comme ça. Voilà, maintenant file et j'ai du travail. Lou, dépêche-toi de manger avant que ça fige. J'ai pas faim, je vais me coucher, il me reste que ça à faire de toute façon. Comme tu veux, mais tu le regretteras. Et toi la scribouillarde, tu viens manger ou bien? Là je suis super inspirée et comme je dois finir mon chapitre avant ce soir, ça serait bête de m'arrêter. J'y retourne, j'ai pas de temps à perdre. Manger des choux de Bruxelles, ce n'est jamais une perte de temps. Mina, t'es où? En bas de chez toi, alors tu viens? Ben... Allez, grouille-toi, je veux pas être en retard. T'as demandé à ta mère, elle est d'accord? Ben oui, elle est d'accord. J'arrive. Ça y est, on peut y aller. C'est un concert de quoi déjà? De hip-hop. Des gars qui slament sur des vieux textes remixés. Un truc féroce. Hé, hey, Richard! Salut, ça te dirait d'aller... Chers téléspectateurs, il est temps de voter pour savoir qui de Pierre-Rodolphe ou d'Alban Mathieu va quitter l'auberge. Il y a un concert à la fusée, un truc de slam. Il paraît que c'est sympa. Je me disais qu'on pourrait peut-être y aller tous les deux, tu vois. C'est que j'ai pas fini mon chapitre. Et je ne peux pas laisser Lou et ma mère comme ça sans prévenir. Elle dort, non? Allez, quoi, viens. Bon, ok. Pierre-Rodolphe, j'ai une surprise pour toi. Oh!
Heureux qui, comme Ulysse, a fait un beau voyage. Ou comme celui-là qui conquit la toison. Oublier, retourner, plein d'usage et raison. Vivre entre ses parents, le reste de son âge. Le reste de son âge. Quand reverrai-je, hélas, de mon petit village, fumer la cheminée, en quelle saison? Reverrai-je le clou de ma pauvre maison qui m'est une province? Flammé sur Joachim du Bellay, audacieux, hein? Ça te plaît? Non! Ah bon? Tu n'aimes pas? Et c'est pas ça! Regarde qui est là! Bah alors, qu'est-ce que tu fais là? Maman? Mais et toi alors? Je croyais que tu avais un chapitre de Sidéra terminé. Mais. Ah non, tu ne vas pas me la faire à l'envers! C'est moi ta mère! C'est moi qui pose les questions! Je n'en reviens pas que tu m'aies fait une chose pareille. Ok, ok, j'ai eu tort. Mais enfin, je suis une grande fille, y a rien à craindre. Une grande fille? Ça ne ment pas à sa mère. Je suis bien d'accord. Alors, on promet de travailler et à la place, on fait la riboule dingue? Écoute, primo, j'avais presque fini mon chapitre. Et secondo, y a pas de secondo. Et voilà, j'avais bien un doute. Mais maintenant, j'en suis sûre. De quoi? Vous finirez dans le caniveau, toi et le livre de transfriction que tu ne finiras jamais. Si c'est vraiment ce que tu penses de moi, maman, tu peux faire tes bagages. Je n'ai plus rien à te dire. Ça tombe bien, moi non plus. Je m'en vais. Il n'y a plus de train ce soir. Le prochain est à 10h11 demain. Sidéra se retrouvait une fois de plus face à sa mère dont l'haleine putride n'avait d'égal que sa cruauté. Mamie n'est plus là? Elle était déjà partie quand je me suis levée. Allô? Oui, c'est moi. Quoi? Une vieille dame pas aimable? Très bien, d'accord. C'était qui? Le patron des éditions Stardust. Mamie l'a obligé à lire les premières pages de mon bouquin en le menaçant physiquement, apparemment. Et alors? Il a trouvé ça super et il veut me rencontrer. Oh là là, mais c'est génial! C'est n'importe quoi, mais c'est du mamie, quoi. Oui, c'est dingue qu'elle ait fait ça. C'est tellement, tellement... Il faut que je lui dise que... Ouais, ben tu bafouilleras plus tard. Son train part dans 20 minutes. Fonce à la gare, lui dire merci. Donc, en 5 lettres, un grand poisson vivant dans les mers froides. Alors... Morue. Non, mais dedans. Restez poli. Je voulais dire que... La réponse est morue. Quoi, je me mêle? J'ai horreur qu'on m'aide. Ah, maman, je voulais te dire... C'est ma fille. Elle n'arrive pas à aligner deux mots cohérents. Figurez-vous qu'elle veut écrire un livre. L'éditeur a adoré mes premiers chapitres. Il veut me rencontrer. Ça ne m'étonne pas. Il avait l'air assez idiot pour aimer la transfriction. Vous voulez dire la science-fiction, sans doute. Vous, ça suffit. Non, mais quelle insolence. C'est grâce à toi. Alors, je voulais te dire... Enfin, je suis ici pour... Tu vois, quoi? Tiens, c'est bizarre. On dirait que le quai bouge tout seul. Si je peux me permettre, c'est le train qui démarre. Non, c'est pas vrai. Oh. Ah, faut que je descende. C'est trop tard, ma petite dame. Le prochain arrêt, Trouille-Mouise. Billet, s'il vous plaît. Mais, bravo. Voilà où ça mène, tes remerciements mièvreux. Mmh.
La trentaine, cheveux châtains avec un jean et un pull rouge. Les yeux? Je sais pas trop en fait. Ah bon? Non, j'ai déjà appelé les urgences, elle y est pas non plus. Tant pis, merci. Maman! Mais t'étais où, bon sang? Dans une galaxie très, très, très lointaine. T'aurais pu me prévenir quand même, hein. J'ai appelé partout. Il n'y a pas de réseau à Trouille Mouise, figure-toi. Peut-être, mais moi j'étais drôlement inquiète, dis. Ah, mais tu sais, je suis une grande fille, il n'y a rien à craindre. Ok, maman 1, loup 0. Viens, ma louloute. C'est quoi ce journal? La revue des spectacles, c'est tout ce qu'ils vendent à la gare de Trouille Mouise. J'en ai profité pour repérer quelques concerts sympas, si tu as envie d'y aller. Toute seule? Ah non, uniquement avec Tristan. La reine des ombres était repartie vers Deadpool. La justicière du cosmos se dit soudain qu'aucune mère n'était parfaite et que la sienne, malgré sa mauvaise haleine, n'était pas aussi cruelle qu'elle en avait l'air. Ces vacances à Super Chevelle, ça devient super compliqué. Déjà en apprenant que Richard avait une fiancée, une fille de pays, Ludmilla, genre sportive énervante. Maman a eu le cœur brisé et s'est foulée la cheville. Alors heureusement que Richard, il a dit à Ludmilla qu'il l'aimait pas en fait. Mais elle l'a mal pris et pour se rapprocher de lui, elle a monté tout un plan pour raviver une vieille rivalité sportive entre l'équipe de curling de Super Chevelle, dont elle faisait partie avec Richard avant, et celle de la station d'à côté, où Tristan est en vacances, qui s'appelle Val des Nazes, dirigée par un certain Jean-Pierre, ennemi juré de Richard. Vous suivez ou pas? Bon, enfin heureusement Richard a découvert que Ludmilla avait tout manigancé et il a tout annulé pour pouvoir rester au chalet et s'occuper de la cheville et du cœur brisé de ma pauvre maman. Oui, j'espère que l'air de la montagne sera aussi propice à mon histoire d'amour à moi, hein. J'ai rendez-vous cet après-midi en haut des pistes pour pique-niquer avec Tristan et accessoirement peut-être enfin arriver à lui déclarer ma flamme. Et voilà, le pique-nique saveur. J'ai apporté 23 spécialités locales, dont 12 variations de la croziflette au lardon, aux chanterelles, à la moutarde et aux... Waouh, tu fais un truc? Peut-être bien, qui sait. Mais bon, chaque chose en son temps. D'abord, à table. Hey, tu marches sans tes béquilles? Oui, ma cheville va mieux. Alors, le docteur m'a donné l'autorisation de poser le pied. Pour fêter ça, j'ai préparé le repas. Rien que pour nous deux, tes parents sont sortis. Et c'est toi qui as cuisiné? Oui. Je t'ai fait une croziflette, tu vas m'en dire des nouvelles. C'est génial. C'était délicieux. Il reste de la croziflette aux myrtilles si tu veux. Ça va aller, je peux plus rien avaler là. Et en plus, il faut que j'y aille, mes potes m'attendent pour surfer. Ah, mais attends, je voulais te dire quelque chose. Ah oui, quoi? En fait, ça fait longtemps que... Ouh là là, les pistes ferment dans 2 heures. Désolée, mais je file. Mais ça alors, t'exagères. On peut pas parler 5 minutes, c'est ça? Mon surf. Oups, désolée, ça glisse bien ces machins-là. Ah! Oh non, il est fendu! Bravo! Ben, sois positif! Si tu le fends jusqu'au bout, ça te fera une paire de skis! Tu te crois drôle? Oh,
Oh, allez, quoi, c'est pas si grave. Oh. On n'a qu'à retourner sur le rocher au soleil, on pourra papoter. Au soleil, avec ce qui arrive, ça m'étonnerait. Ça annonce quoi, ces nuages? Rien de bon. Waouh, c'est vraiment délicieux. Oh. Richard, j'ai quelque chose à te dire. Ce n'est pas toi qui as cuisiné, c'est ça? Oui, j'ai décongelé une vieille croziflette de ta mère. Oh, je le savais. Ok, mais c'est pas ça. En fait, je voulais te dire que... Eh, ça va ma chérie? Perdu dans le blizzard avec Tristan? Mais de quoi tu parles? Vous êtes où? Louloute? Ça a coupé. Où est-elle? À la pointe du... Quoi? Et c'est tout ce que j'ai entendu avant que ça coupe. Ah, j'ai plus de réception! Laisse tomber! Faut qu'on trouve un abri, et vite! Bon, je file au PC de secours. Pas sans moi. Je viens avec toi. Pas question. Ta cheville est encore fragile. Tu restes là. Mais... J'ai deux jeunes portés disparus dans le blizzard. Faut y aller. Ça doit être une sorte de refuge pour les bergers. Ben, c'est mignon. En plus, c'est romantique. Tu parles. T'as vu Lily? Bonjour, la misère. Et tu crois qu'on va devoir rester ici longtemps? Un blizzard, ça peut durer plusieurs jours. Et comme on capte plus rien avec nos téléphones portables... Ah, bah dis donc, tu parles d'une tuile. D'après la mère de Lou, ils sont près d'une pointe. Je me charge de la pointe du Grand Mouraz. René, tu pars à la pointe des Trouillettes. Robert, tu montes avec moi? Non, c'est moi qui t'accompagne. Tranquillement au coin du feu pendant que ma fille se transforme en glaçon. Oh, ok. En route. Pardon. Ils ont des gènes de phoque, les bergers du coin. Ils doivent faire moins 10. Tu m'étonnes. Ça pèle. Cela dit, il y a une solution si on se pelotonnait tous les deux dans les couvertures, bien serrées. Il y a rien de mieux pour se réchauffer. J'ai vu ça dans une mission. C'est mieux que... Enfin, c'est mieux, quoi. Pas la peine. Eh? J'ai trouvé de quoi faire du feu. Mais il n'y en avait qu'une. Désolée, c'est pas de chance. Maintenant, il n'y a plus qu'à se pelotonner dans les couvertures. Normalement, non. Mais là, on ne va pas vite. Évidemment, on a une surcharge. Quelqu'un est trop. Je suis tout à fait d'accord. Loubouniazou triplage d'ifroisse. Balak, charclava, akoulvitch. Ohé! Ohé! On a passé la pointe des Trouillettes au plein phare. Personne. C'est pas vrai. Ma louloute. Mais puisque je te dis que c'est le froid qui m'a fait éternuer. Ouais, tu parles. Mais enfin, quel intérêt j'aurais à la souffler exprès ton allumette? C'est vrai, je vois pas. Ah, bah enfin. Ok, excuse-moi. Tu sais quoi? Je crois que j'ai une idée pour nous réchauffer et faire passer le temps. C'est pelotonner tous les deux? Non, un petit concours à Super Dario. Hein? Ouais, ouais, Tristan! Lou! Tristan, répondez! Personne. On ne peut pas fouiller toute la montagne. Et la nuit va bientôt tomber. Je suis vraiment désolé, on va devoir arrêter. Lou! Lou! Owen! Yeah! Combo flash kick et anti-saut.
Oh! Quoi? T'as perdu? Non, j'ai... Oh, j'ai plus de batterie et j'ai même pas eu le temps de sauvegarder. Oh non, ben zut alors. Mais tu sais quoi? On n'a qu'à discuter un peu, ça nous fera oublier le froid et puis c'est l'occasion de se dire un tas de choses. Par exemple, moi je voulais te dire que... Lou! Qu'est-ce qu'il y a? Un problème? Oui, il faut qu'on abandonne les recherches. Mais c'est génial, ça capte de nouveau. Alors, on va pouvoir appeler Lou? Ouais. Lou? Oh. Ça va? Nous aussi, ça vient de revenir. C'est où? La pointe du Croc-Blanc? C'est le pic du Croc-Blanc. Non, c'est pas pareil. Bon, bougez pas, on arrive. Ouf, ça y est, on est sauvés. Youhou! Fini la galère. Oui, enfin en fait, je me disais que toutes ces heures passées ensemble, le pique-nique, le blizzard, le refuge, c'était... Oh, horrible, tu m'étonnes, un vrai cauchemar. Alors là, c'est pas du tout ce que je me disais. Excuse-moi, je pensais pas à... Je voulais pas te faire de la peine. Et si tu venais à côté de moi, je commence à avoir sérieusement froid. Allez, quoi. Alors, c'est quoi ce fameux truc que tu voulais me dire? Eh ben, je... Bonjour. Tristan? Je suis Jean-Pierre, du poste de secours de Val des Nazes. C'est ton oncle qui nous a prévenu de ta disparition. Lou! Maman! Jean-Pierre? Ludmilla! Tiens, salut Jean-Pierre, ça va? Alors te voilà, toi, tu es revenu. Le loser de la brosse, la mauviette du balai, le minable du curling. Je me moque de ce que tu penses. Je ne veux plus jouer, ça ne m'intéresse plus. Ah oui? T'as peur de perdre les pédales en plein match, hein? Comme la dernière fois. Je n'ai pas perdu les pédales, j'ai fait exprès de perdre, nuance. Les mauvais perdants disent toujours ça, pour ne pas perdre la face. Mais avec moi, ça ne prend pas. Calme-toi, Richard. Allons, Jean-Pierre, si Richard ne veut plus jouer, c'est son choix. La coupe intervallée restera chez vous jusqu'à la fin des temps, et puis voilà. Pense à ce pauvre Richard qui doit vivre en sachant qu'il a humilié Super Chevelle, tous ses habitants, sa famille, accablés par la honte à cause de lui. S'il ne veut pas les venger, c'est son droit. Non. Prends l'entraînement immédiatement! Rendez-vous à la patinoire! Ouais! On va les tondre, ces cramouflasses de Val des Nazes! Ah! Richard! Attends! Ah! Non, ça va? Ah, ma cheville! Hé, hey, oh, Lou! À plus, hein! C'était chouette comme journée, non? Oh. Oui. Vraiment très chouette.
déjeuner au lit, un pour ma louloute. Mais on est samedi, c'est le week-end. Justement, raison de plus pour commencer tôt cette merveilleuse journée. Écoute ça, ma louloute. Le coffret de la saison 3 de Guffy est disponible. J'adore. Oh, ils ont sorti une toute nouvelle console de jeu. Quelle bonne idée! Tiens, dis-moi ce que tu en penses. Je pose juste ce calendrier ici, comme ça on n'oubliera plus jamais aucune date importante. Salut! Salut! T'as pas oublié, demain c'est la fête des mères. J'avais cru comprendre, ouais. T'as un cadeau, toi? Oui. Et comme chaque année, c'est ma mère qui le choisit et qui l'achète. Regarde! Waouh! Et voilà, il n'y a plus qu'à l'emballer. Et demain, elle dira: oh, ma chérie, c'est merveilleux! Oh, comme ça, je pourrais avoir de belles images de toi en train de grandir. Et toi, shopping catastrophe au dernier moment, comme d'hab? Et non, cette année, j'ai trouvé le cadeau qui tue. Encore un jeu? Mieux! Le coffret collector deluxe de la réédition de Space Galactica version longue, tirage limité. Je connais pas. Bah, t'as de la chance. Parce que moi, ce film, je le connais vraiment, vraiment par cœur. Le vaisseau ne répond plus aux commandes. On va droit dans le trou noir. Seul Ulysse 340 peut nous sauver. XB-12, trouve-le. Ulysse 340, qu'est-ce qui t'est arrivé? Manichela est une traîtresse. Elle a sabordé le cyber-gouvernail laser et les réacteurs à propulsion nucléaire. C'est pour ça que le cyber-circuit de refroidissement du moteur solaire ne fonctionne plus. J'ai fait ça pour votre bien! Nous ne pouvons pas retourner sur Terre, car la Terre a été détruite! Oh là là! Comment tu peux dormir devant un tel chef-d'œuvre? Peut-être parce qu'on l'a déjà regardé hier, avant-hier et deux fois le week-end dernier. Oh, pardon, trois fois! Elle est totalement fan alors! Tu m'étonnes, rien ne peut lui faire plus plaisir que ce coffret. Si vous parlez du coffret Space Galactica, le colis s'est perdu. J'en ai recommandé, mais ça arrivera dans trois semaines. Désolé. Misère! Tiens. Richard? J'ai cru entendre un bruit d'aspirateur, alors je venais voir si... tout va bien. Ma mère arrive. Tous les ans, elle trouve un prétexte pour débarquer le week-end de la fête des mères. Et tous les ans, c'est une catastrophe. Ouais, merci. Je ne suis pas assez propre, c'est ça le message que tu veux me faire passer? Ah, c'est moi ça! Une extraterrestre au milieu de plantes carnivores, c'est comme ça que tu me vois! Mais cette année, pour une fois, j'ai décidé de ne pas tout rater. J'ai un plan! Maman! C'est le bazar ici, comme d'habitude! Tu sais que demain, c'est la fête des mères? Ah bon? Vraiment? Arrête de faire l'innocente. Chaque année à cette occasion, tu inventes un prétexte pour venir. N'importe quoi. J'ai un tournoi de bridge demain. Maman, tu ne sais pas jouer au bridge. De toute façon, vu les cadeaux que tu me fais. Eh bien, cette année, ça va changer. Je t'emmène faire les boutiques. Tu pourras choisir quelque chose qui te plaît. Mais... pas de mais. Pour une fois, c'est toi qui m'écoutes. Tu veux pas arrêter, Mina? L'heure est grave, là. J'ai mis toutes mes économies dans ce coffret. Il me reste zéro budget. Offre-lui une création Made in Lou. Franchement, à part un collier de nouilles ou un dessous de plat en coquillage, je vois pas. Sans argent, sans idée, Lou renonce et se laisse aller au désespoir. Et tout ça sous l'œil de notre caméra. Mina, mais t'es géniale! Hein? J'ai trouvé mon cadeau. On va refaire le film Space Galactica avec les moyens du bord et cette caméra. Ça va être mortel! Mortel! Avec ses ressorts huilés, les rats n'ont plus le temps de s'enfuir. Certes, mais l'huile attire les cafards. Vous devriez le savoir. Bonjour. Bonjour. Merci. Regarde, un détecteur laser de souris. Tu veux que je multiplie ma facture d'électricité par 10? Alors, tu trouves quelque chose qui te plaît? Tout le monde est prêt? Attention! Moteur! Hé, attends! On n'a pas fini avec le chat! Elle a sabordé le cyber-réacteur, le cyber-gouvernail laser et les réacteurs à propulsion nucléaire. XB-12 va biffer dans 30 secondes!
En place tout le monde. Faut qu'il aille vers Richard. Allez, moteur et action. Allez, Chachoumou, allez, va voir Richard. Allez, vas-y. Coupé. C'est pas gagné. Non. Bon, 78. Mais c'est ma dernière offre. Pour la millième fois, je vous répète que cet écureuil n'est pas à vendre. Il a été commandé par une cliente. 94. Ça suffit, ces marchandages. Tu me fais honte. Allons-nous-en. Écoutez-moi, pour la première fois en 8 ans, j'ai vu ma mère sourire. La dernière fois, c'est quand son voisin a glissé sur une crotte de chien. Je peux pas lui offrir ça pour la fête des mères. Cet écureuil est mon dernier espoir, vous comprenez? 125. Non. Action. Manikela est une traîtresse. Elle a sabordé le cybergouvernail laser et le réacteur à propulsion nucléaire. C'est pour ça que le cybercircuit de refroidissement du moteur solaire ne fonctionne plus. Coupé. Génial. Montre. Allez, fais voir. Allô? Formidable. C'est quoi cette image? Me dites pas qu'il faut la refaire, hein? Eh, hey, je dois vous laisser. Une urgence, désolé. Madame Schiom, s'il vous plaît, on y était presque, attendez! Et là, c'est le drame. Quelle lampe affreuse! Qui peut oser mettre de telles horreurs dans son salon? T'as vu celle-là? On dirait une cocotte minute. À vous le rongeur, et tout de suite! Mais comment peut-on porter des oripeaux pareils? Ôte-moi d'un doute. Ce machin, c'est une chemise de nuit ou une robe? Maman, j'ai oublié un truc hyper important. Je reviens tout de suite. Ah, elle est belle, la jeunesse! Abandonner sa pauvre mère dans ce lieu infect! Ça suffit, je rentre! J'espère que ma petite fille sera un peu plus accueillante, elle. Oh là 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 là, maman va pas tarder à rentrer et on n'a pas un plan en boîte, c'est la cata. Hé, hey, relax. Richard connaît son texte, on a une nouvelle Manikela et mon image est bonne. En place tout le monde! Occupe-toi du chat au lieu de stresser. Chachoumou, ohé, allez la flaque, réveille-toi. Allez. Coupé! C'est bon pour le chat! On passe à la tirade de Manikela! Action! Ma, j'ai fait ça pour votre bien! Nous ne pouvons pas retourner sur Terre! Car la Terre a été détruite! Oh, c'est comme ça! Eh bien, il retourne à mes pizzas! Oh, quelle insolence! C'est moquer de Gino! Oh. Vous avez bluffé pour faire monter les enchères. Vous n'avez pas d'autres clients. Vous êtes démasqué. Je veux cet écureuil et tout de suite. Désolée, la cliente va venir le chercher d'une minute à l'autre. C'est impossible. Et vous savez pourquoi? Parce que personne, à part ma mère, ne peut avoir envie d'une telle affrosité. Madame Schurm? Qu'est-ce que tu fais là, sac à puce? Je paierai mon loyer à temps. Je ferai le ménage dans la cage d'escalier. Non, 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 non. C'est une pièce très rare. Vous n'avez pas idée. Elle manque à ma collection. J'enlèverai mes chaussures pleines de boue en rentrant dans l'immeuble. Je n'écouterai plus que des chansons d'amour sirupeuses, celles que vous aimez. Je vous dédierai mon livre. Je vous créerai une page perso sur Internet. J'ai une page perso? Sur moi? Rien que sur vous. Ça va être la plus belle page Internet du monde. J'ai hâte de voir la tête de ma mère quand elle ouvrira son cadeau. Je veux savoir ce qui se passe ici. Mamie. Ah! Oh non, non! Reviens! Hey! Oh, misère. Toujours pas pourquoi tu vas inviter tout le monde. Patience! Va t'asseoir sur le canapé.
Ma chère maman, je n'ai qu'une seule chose à dire. Bonne fête. Ulysse 340, qu'est-ce qui t'est arrivé? Manichella est une traîtresse. Ah, mais c'est... Elle a sabordé le super-gouvernail laser et les réacteurs à propulsion nucléaire. Vous n'avez jamais fait de théâtre, vous. Ça se voit. Nous ne pouvons pas retourner sur Terre, car la Terre a été détruite. C'est le meilleur cadeau de fête des mères que j'ai jamais eu. Merci, vraiment. Bonne fête, maman. Oh, ma chérie, c'est merveilleux. Comme ça, je pourrais avoir de belles images de toi en train de grandir. Bonne fête, maman. Eh bien, tu ne t'es pas ruinée. Ça valait le coup de faire les boutiques ensemble. Faudra pas oublier cette photo de moi à 20 ans, ni la photo dédicacée d'Alain Gilbert, et bien sûr, toutes les photos de mes bébés. D'accord. Pardon, vos bébés? Bien oui. Là, fabuleux. L'archiponcture de A à Z, qu'est-ce que c'est que ça? L'archiponcture est basée sur l'art ancestral du Feng Shui. C'est une théorie qui établit un parallèle entre les circulations d'énergie dans les maisons et les méridiens du corps humain. Tu veux dire que, par exemple, le salon, c'est la tête, la cuisine, le foie et les toilettes, le... Pas du tout! Ça sert à organiser l'espace pour se sentir bien chez soi. D'après ce livre, c'est même excellent pour l'inspiration. Alors, je me disais que comme ma dernière histoire de Sidera n'avance pas ces jours-ci, je pourrais en profiter pour faire quelques changements dans l'appartement. N'importe quoi. Enfin bon, si ça peut t'aider. Je vais faire un petit tour. À plus. Voilà. Je sens déjà que l'énergie circule beaucoup mieux. Intolérable. Horrible. Épouvantable. Très très laid. C'est indéniablement moche. Excusez-moi, mais vous parlez de quoi là? De ça. Quoi ça? Mes vêtements? Mais ça fait plaisir. Non, je parle de ça. De votre doigt? Mais non, c'est cette peinture marron qui nous consterne. Qui nous désespère. Qui nous afflige. Qui nous déprime. Venez, on va appeler le propriétaire. Allô? Hein? Charlie? Madame Schurman, l'appareil. Denise, quel bon vent vous amène? Hélas, le vent de la révolte. Je suis en présence des locataires de l'immeuble qui ont des doléances à vous transmettre. Je suis tout oui. On voulait savoir si, par hasard, il vous serait possible de... faire repeindre l'entrée qui est un peu... défraîchie. On peut se cotiser pour payer les travaux.
Non, non, pas question. Les travaux sont à ma charge, c'est la loi. Mais ne pourrions-nous pas imaginer quelque chose de plus beau, de plus original qu'un simple coup de pinceau? Un marron brillant à la place du marron mat? Pour l'originalité, vous passerez. Je pourrais peut-être peindre une fresque? Excellente idée, j'adore les beaux-arts. Quel serait le thème de votre œuvre? Ben, je sais pas, voyons par exemple la collision des corps célestes, ou bien l'amour entre les peuples. L'amour entre les peuples, j'adore. Vous avez carte blanche. Le salon dégage une meilleure énergie avec le canapé à cette place, tu ne trouves pas? Ouais, le seul souci c'est que je ne vois plus la télé, va falloir corriger ça. Ben oui, bon sinon j'ai une super nouvelle. Le propriétaire de l'immeuble est d'accord pour que je peigne une fresque dans le hall. La porte est bloquée. Coucou. J'ai mis le canapé à la place du bureau. Ça sera mieux pour l'inspiration. J'en doute pas. Tu viens à l'inauguration de ma fresque? Elle est terminée? Oui, bien sûr. Enfin, dès que les énergies circuleront parfaitement dans l'appartement et que j'aurai débloqué la porte. Bon, c'est pour aujourd'hui ou pour demain? On n'a pas que ça à faire, nous. C'est vrai, il y en a qui sont à la retraite. Ça vient, ça vient. Bon sang de bonsoir, ça alors? Nom de Zeus, c'est vraiment très beau. Je confirme, pour un coup d'essai. C'est un coup de maître, on dirait du Fellini, en plus fixe. On peut dire que tu as un sacré coup de pinceau. Ben, merci. Je suis très touchée. Pourtant, j'ai le sentiment confus qu'il manque quelque chose. Pour que ce soit parfaitement parfait. Ah? Oui, à mon avis, il manque un petit rien pour obtenir une harmonie cosmique totale. Tout à fait d'accord. Il y a comme un petit déséquilibre là, sur la gauche. Il faudrait rajouter un motif. Voyons. Tiens, voilà. Une marmotte. Une marmotte? Quel est le rapport avec l'amour entre les peuples? C'est bien connu. La marmotte, contrairement à l'homme, n'est pas un loup pour la marmotte. Cher ami, j'aime bien votre idée d'animal, mais je verrais plutôt un chien. Un peu comme mon bobo. L'amour que cette espèce porte à l'homme viendrait, comme qui dirait, renforcer l'idée d'amour entre les peuples, non? Et puis, ces silhouettes colorées-là, je ne dis pas, elles sont bien. Mais si elles représentaient des gens connus, on pourrait peut-être mieux s'identifier à un peuple. Et du coup, à l'amour. Des gens connus comme qui? Comme Jean-Paul Kramer, par exemple. Le présentateur télé? Oui, il est gentil avec tout le monde, même avec les animaux. Ouais. Moi, je verrais plutôt un acteur comme Bruce Lee. Et si on ajoutait un cercle de protection kabbalistique, il formerait une véritable barrière d'amour pour protéger les hommes contre les êtres venus d'une autre dimension. Je sais pas, vos idées partent un peu dans tous les sens.
Peut-être, mais comme la fresque se trouve dans les parties communes, elle doit plaire à tout le monde. Bon, ok. Il y a peut-être moyen d'arranger tout ça. On progresse, hein, Jones. On y est presque. Tu sens les bonnes ondes et tout, mais on doit pouvoir faire encore mieux. Et voilà. Ouais, je ne suis pas vraiment convaincu. On s'éloigne un peu de l'amour entre les peuples, il me semble. Oui, là ça ressemble plutôt au kung-fu entre les peuples, non? C'est à cause de Bruce Lee, il est quand même connu pour distribuer des mawashigiri. Vous connaissez rien à la philosophie du petit dragon. Ce sont des mawashigiri métaphoriques. Non, ce qui ne va pas, c'est la grosse marmotte ridicule et le Jean-Paul Kramer. Ben quoi? Qu'est-ce qu'elle a fait, mon Jean-Paul? Il a pas une tête à prôner l'amour entre les peuples, le Kramer. Ah oui? Mais vous savez ce qu'il vous dit, le Kramer? Allons, 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 s'il vous plaît, un peu de calme. Oh, vous, avec votre affreux boubou, là, c'est pas le moment de la ramener, hein? Ça suffit! Vous avez vu où on en est avec vos suggestions stupides, là? Cette fresque, maintenant, elle ressemble à rien. Alors je vais revenir à mon concept de base. Et ce coup-ci, je veux plus entendre le moindre commentaire. Je me suis bien fait comprendre? Bien, ok. On n'a plus qu'à rentrer chez nous, alors. L'amour entre les peuples, tu parles d'une tyrannie, oui. Une vraie dictature. Et voilà. Parfait. Oh. Ben oui, rendors-toi, je vais dans ma chambre. Mais là, ta chambre, elle est dans la mienne. Vu que la mienne est au salon et que le salon est dans la tienne. Super. Pain au choc ou croissant? Brioche. Ça marche. Bien considéré, c'est pas terrible, terrible. En effet, c'est... comment dire ça avec tact? Légèrement à vomir. Exactement. C'est à cause de ce Jean-Paul Kramer, là. Il ressemble à rien. Si, un Picasso. Vous ne comprenez rien au cubisme, vous, ça se voit tout de suite. Il n'y a qu'à regarder votre boubou, on dirait une poule neurasthénique. Attention, Madame Schurm, la poule neurasthénique pourrait bien finir par vous montrer les dents. Ah oui? J'aimerais bien voir ça. Hey, mais qui a osé m'acculer Bruce Lee? C'est Madame Schurm. Elle déteste le figuratif. Je n'ai pas fait exprès. Même si c'est vrai que votre Bruce Lee est complètement raté. Vous méritez que je vous macule, votre Kramer. Et attendez, regardez ça. C'est chouette, cette couleur. On dirait les croquettes de mon bobo. C'est apaisant, comme un tronc d'arbre dans une vénérable forêt druidique. Comme le flanc des montagnes en été autour de mon village natal. Le marron profond des anciens films sépia. Comme les bons vieux murs de cet immeuble qu'on aime tellement. J'appelle tout de suite Charlie. Ça y est, j'ai enfin arrangé l'appart comme il faut. Bah, elle est où, cette fameuse fresque? T'inquiète, je vais t'expliquer. Tadam! Certes, l'énergie créative circule peut-être un peu difficilement, mais au moins, on peut entrer dans l'appartement, marcher, aller s'asseoir au bureau pour travailler, et ça, c'est de la bonne archipuncture. Dans la vie, il y a des jours comme ça qui ne servent à rien, non? Si. Thank you.
invitée à la piscine. Mais j'ai un gros problème. Je nage, comment dire, pas très très bien. En fait, je nage comme un fer à repasser. Ou comme une enclume, si vous préférez. Bref, j'ai peur d'être totalement ridicule. Du coup, j'hésite à y aller. Bon, évidemment, ça, c'était avant le coup de jarnac de maman. S'il te plaît, dis oui. Si j'ai bien compris, tu veux que je m'occupe d'Aurélie toute la journée? Elle s'appelle Amélie. Oui, enfin, ta copine lourdingue qui te suivait partout à la fac. Celle que tu surnommais Relou-Garou. Oui. La nana ringarde, timide, complexée, pas drôle et pire cuisinière que toi? Oui, elle est de passage en ville. J'ai pas pu lui dire non. J'aimerais bien rester avec elle, mais j'ai rendez-vous chez mon éditeur. Tu comprends? C'est vraiment important. Allez, ma louloute, quoi? Qu'est-ce que tu me donnes en échange? Hein? Mais c'est du chantage, ça! Un mois de ménage complet, avec litière du chat à changer, cuvette à récurer et calcaire de la baignoire à gratter. C'est du vol, mais bon. D'accord. Tu parles? J'aurais dû demander plus, oui. Je vais me coltiner Amélie toute la journée au lieu d'aller à la piscine avec l'amour de ma vie. Hé hey. Salut. Salut. J'imagine que tu es Lou. La dernière fois que je t'ai vue, tu étais haute comme ça. Tu es une grande fille maintenant. C'est à cause de ce truc-là, là, la croissance? Tu as l'humour de ta mère. Au fait, elle n'est pas là? Ben non, elle est chez son éditeur. Je vois, sacré Gretzel. Hein? Gretzel? C'était son surnom à la fac. Moi, on m'appelait Relou-Garou. Ouais, je sais. C'est plutôt original. Je n'étais pas très rigolote. Et maintenant? Maintenant, j'ai un peu faim. Si on mangeait quelque chose, histoire de faire connaissance. Le frigo est carrément vide. On va à la pizzeria? Pas question, non. Si tu le permets, je vais nous préparer un petit frishti. Tada! Et voilà! Bon appétit! Alors? C'est délicieux! C'est juste surprenant. Il manque une touche de paprika. C'est une recette que j'ai apprise au Mexique. Vous êtes allée au Mexique? Tu peux me tutoyer. J'y ai vécu 2 ans, oui. J'étais reporter là-bas. Dis, après déjeuner, ça te dirait d'aller faire du shopping? Je n'ai plus rien à me mettre. Ok, si tu veux. Mais je connais pas de magasin qui vendent des vêtements. Oui, ringard, c'est ça? J'ai pas dit ça. Je te fais confiance pour le magasin, je m'adapterai. Allô? Coucou, c'est moi. Tout va bien? Désolée, je reviens tout de suite. Je survivrai. Amélie a préparé le déjeuner. Ma pauvre louloute, c'était pas trop infâme? Ben non, au contraire, elle fait plutôt bien la cuisine. Mieux que toi en tout cas. Oh, oui, et là on va aller chez SD et CC pour s'acheter des fringues. Ça se passe pas si mal alors? Bah en fait non, on s'entend même très bien. Et toi, dis-moi, ton rendez-vous, qu'est-ce que ça donne? Bah je survivrai, à plus. T'es prête? Go! Alors? Bah comment dire, en fait ça ne te va pas du tout. Toi, en revanche, tout te va. Ouais. Mais ce que je préfère, c'est créer ma propre mode. Quand j'ai du temps, je me fabrique des fringues. C'est dingue, ça. Moi, c'est pareil. C'est marrant. Tu corresponds pas du tout à la description qu'a faite ma mère. J'ai changé depuis la fac. Ta mère aussi a dû changer, non? Je sais pas comment elle était à la fac, mais je crois pas qu'elle ait beaucoup changé. Ne me dis pas qu'elle est toujours aussi fan de jeux vidéo. Bah, plus que jamais. Les jeux ont évolué, mais pas elle. Et maintenant, qu'est-ce que tu as envie de faire après ce petit shopping?
En fait, je devais aller à la piscine, mais... Je crois qu'il vaut mieux que j'y aille pas. Pourquoi ? Ben, c'est bête, mais je nage pas très bien. Et j'ai peur que Tristan me trouve un peu godiche. Tristan ? C'est ton petit ami ? Ben... Ne t'inquiète pas, je vais te donner deux ou trois tuyaux et ton Tristan, il va carrément craquer. Tu crois ? Fais-moi confiance. Mademoiselle, nous allons à la piscine. Auriez-vous des maillots de bain à nous montrer ? Vous désirez ? Voilà. En fait, je voudrais un renseignement. Les deux clientes qui viennent de partir, eh bien... Qu'est-ce qu'elles ont acheté ? Bien, des maillots de bain. Pourquoi ? Waouh ! Tu plonges super bien ! Tout est une question de confiance en soi. Allez, à toi ! Débrouille très bien. Voyons, ne crie pas comme ça, jeune fille. Tu vas effrayer les tardigrades. Ah, c'est vous. Vous m'avez fait peur. Amélie, je te présente l'ancien. C'est un des locataires de notre immeuble. Amélie, une amie de ma mère. Vous, je vous ai vu nager. Où avez-vous appris ? Dans la baie d'Along avec les barracudas. Non, en Afrique du Sud, au milieu des requins blancs. Ah, je leur ai parié. Méfiez-vous d'électroïdes, ils sont partout. Ne vous inquiétez pas, j'ai une dent en céramique. Bien joué, camarade. Au milieu des requins blancs, le pire, c'est que c'est vrai. Hé, Lou. Salut, t'as eu mon message? Oui, tu as pu te libérer finalement? Pas vraiment en fait. Allez, viens, on va nager. Waouh ! Tu plonges hyper bien. Salut, voisine. Ah, bonjour. Ne craignez rien, votre fille est protégée par une disciple du grand Matoutou. Oui, j'ai cru comprendre. Après la fac, j'ai appris d'autres langues. C'est grâce à ça que j'ai pu intégrer une ONG. C'est à cette époque que t'as écrit ton livre ? Non, ça c'était plus tard, quand je vivais au Japon. C'était un essai sur l'origine du théâtre kabuki. Quand je pense que ma mère galère grave pour écrire le sien. Ben... Gretzel! Salut, Amélie! Maman? Qu'est-ce que tu fais ici? Eh bien, je... Attendez, j'arrive! Mon rendez-vous chez mon éditeur est terminé. Voilà. Et vous, c'était sympa? Oh ouais! On revient tout juste de la piscine. Tristan a trouvé que je nageais super bien, grâce à Amélie! Ah oui? Ça a dû te faire plaisir. Tu m'étonnes! Elle est géniale, Amélie! Tu sais qu'elle danse le flamenco et qu'elle a passé 6 mois dans une lamasserie au Tibet? Sans blague! Et je suis sûre qu'elle a fait au moins 10 fois le tour du monde! Non, 4 fois seulement! Super! Eh bien, moi, je ne parle que le syllabe. J'ai écrit un roman que personne ne lira, ma vie amoureuse est un fiasco, et pour couronner le tout, d'après ma mère, j'ai raté une glorieuse carrière de postière à Mortebouze. Et maintenant, vous m'excuserez, mais je vais rentrer dans mon appartement minable pour prendre un bain! Bah, qu'est-ce qui lui prend? Je crois savoir.
Quand je dis qu'Amélie est super, ça veut pas dire que je te trouve pas super. Toi aussi, c'est juste que... Écoute, il y a longtemps que je voulais te dire quelque chose. Quand j'étais à la fac, je n'avais vraiment pas confiance en moi. C'est à cette époque que j'ai rencontré une fille que j'admirais beaucoup. Tellement que je n'arrêtais pas de lui coller au basque. Et ce n'était pas facile pour elle, tu vois, parce qu'elle élevait un enfant tout en faisant des petits boulots et en continuant ses études. Et pourtant, même si elle ne dormait plus pour pouvoir travailler et avoir ses diplômes, tout en s'occupant de son bébé, elle m'a aidée. Cette fille a toujours été un exemple pour moi. Sans elle, je ne serais jamais devenue la femme que je suis maintenant. J'ai toujours voulu la remercier pour m'avoir donné le courage d'affronter la vie. Alors voilà, c'est ce que je fais. Merci, Gretzel. Une petite partie? Tu sais, pour ça, je n'ai pas changé. Je suis toujours aussi nulle. Justement. D'accord, mais juste une partie, hein. Cette bonne odeur, c'est celle des grasses matinées, des brunchs et du farniente. Ouais, je ressens plutôt l'infâme odeur du blues, de la solitude et de la boule au ventre. Ben c'est gay, c'est quoi cette déprime? Ben, je vais pas voir Tristan pendant 2 mois, ça me réjouit pas vraiment, tu vois. Et voilà, c'est reparti, ça devient grave ton truc là. Le pire, c'est que tu ne sais même pas si Tristan éprouve quoi que ce soit pour toi. Salut Tristan. Salut, on se voit plus tard, je dois filer, j'ai un cours de guitare. À plus. Bon, t'as raison, je crois que c'est clair, il m'ignore complètement. N'importe quoi, si ça se trouve, il est juste à 2 doigts de craquer pour toi. Tu n'as pas remarqué des signes précurseurs de l'amour? Des quoi? Ben, des attitudes, des gestes qui laisseraient penser qu'il t'aime bien. Ah, comme s'il m'embrassait par exemple? Non, moins clair que ça. Alors, comme s'il me filait son dessert à la cantine? Non, plus clair. Comme quoi alors? Comme, ben... À vrai dire, je ne suis pas experte. Tu n'as qu'à interroger des gens qui ont eu des histoires d'amour. 5 et 6 et 7 et 8 et 9 et 10. Les fessiers maintenant, redressez-vous, extension, flexion. Et on se fait une petite série de 30. Et 1 et 2 et 3 et 4... J'ai failli attendre. Salut maman. Alors, c'est pas une super idée cette webcam, hein? Faut voir à l'usage. Évidemment, ça n'a pas le charme de tes visites surprises. Maman. C'est le bazar ici, comme d'habitude. Oh, qu'est-ce que tu disais? Rien que grâce à ce système, plus besoin de prendre le train. Un clic et tu es chez nous. Parlons-en de chez toi. Je suis sûre que c'est le bazar, comme d'habitude. Et je constate que tu traînes encore en pyjama. Mais... Tu vas me faire le plaisir de t'habiller, de ranger et de te mettre au travail. Je reviens dans 1 heure pour tout vérifier. Bon, et comment ça s'éteint, ce fourbi? Tu tires sur le fil là?
Salut. Salut. Je me demande si c'était une si bonne idée que ça d'équiper mamie d'un ordinateur et d'une webcam. Ben, ça va l'occuper. Dis, tu t'y connais, toi, en signe précurseur de l'amour? Ta mère, Lucien et Monsieur Verdier? Bonjour les experts, c'est tout ce que t'as trouvé comme témoignage? J'avais que ça sous la main. Enfin bon, voici selon eux la liste des signes annonciateurs de l'amour. Vas-y, je t'écoute. Alors, d'abord ma mère, le signe du même moment, même endroit. Quand elle était jeune, elle jouait au flipper dans le café charcuterie de Mortebouze. Et bizarrement, certains garçons se débrouillaient toujours pour y être en même temps qu'elle. Et un jour, l'un d'entre eux s'est lancé et a essayé de l'embrasser. Pas mal. Au suivant. Lucien m'a parlé du signe de la salle obscure. Un jour, il a emmené une certaine Nadia au cinéma et il lui a offert des pop-corns. Et ben, elle a pas arrêté de le regarder et en sortant de la salle, elle se souvenait d'aucune scène du film. Plutôt intéressant. Ensuite? Ben, Monsieur Verdier, il m'a dit que c'était quand Boubou lui avait fait pipi sur les pieds qu'il avait compris que c'était le début d'une grande histoire d'amour. Mais ce signe-là, on va peut-être l'oublier, hein? Oui. Je crois que ça vaut mieux. Du coup, il te reste le même moment, même endroit et la salle obscure. Ben alors, y a quelqu'un? Coucou! Ah, quand même! Qu'est-ce que tu fabriques fagoté comme ça? Le chauffage est en panne. Le chauffage? Au mois de juin? Tu ne changeras donc jamais, ma pauvre fille. Toujours à jeter l'argent par les fenêtres. Bon, écoute, maman, j'adore papoter avec toi, mais je dois travailler maintenant. Tu peux bien faire une pause pour ta vieille mère, non? Figure-toi que chez le cordonnier, j'ai rencontré la mère Trochu. Tu te souviens de sa fille, Gisèle? Non. Eh bien, figure-toi que cette idiote de Gisèle a quitté son mari qui a pourtant une bonne place à la mairie pour vivre avec un maître chien qui en plus ne dresse que des caniches. Triste monde. Mais qu'est-ce qu'il fabrique? Attention, le voilà. C'est parti pour le même moment, même endroit. Alors comme ça, tu vas acheter des CD? Oui, des CD. Salut. Salut. Tu vas au magasin de musique, donc? Oui, au magasin de musique, là où travaille Richard, à côté de chez moi, enfin, tout près, quoi. Bon, bah, très bien, alors, au revoir. Salut. Toi et moi, ici, au même moment, si c'est pas un hasard, ça? Non, c'est pas un hasard. Lou, il faut que je t'avoue quelque chose. Oui, Tristan? Y a erreur sur la personne. Moi, c'est Gaëtan. Allez, gamine, tu te pousses. Désolé. Lou, alors? J'ai attendu 2 heures, pas de Tristan. Il n'a peut-être pas osé venir. Tu ne dois pas te laisser abattre. Il te reste le coup du cinéma. Laisse agir la magie du 7e art. Je suis sûre qu'à la fin du film, Tristan ne se souviendra d'aucune séquence. Ouais, on verra. Je suis vraiment contente que t'aies pu venir. Moi aussi, Lou. Alors, il joue Alban ou La confusion des sentiments. Paraît que c'est bien. J'avais super envie de le voir. Ça te dit? Oui. Et sinon, il y a quoi? Ben, un truc qui s'appelle Les mercenaires. Il m'a dit, quand je vous vois au milieu de vos hortensias, je vous trouve jolie comme une taupe. J'en étais toute ébobie. J'ai pas laissé passer cet affront. Espèce de vieux débris, lui ai-je dit. J'ai peut-être la vue qui baisse, mais moi, je ne porte pas de moumoute. Oh, tu m'écoutes? Ah, oui, je t'écoute. Oh, mais maman, c'est pas l'heure de ton feuilleton? La clinique de la forêt vierge? Tu parles, c'est une véritable niaiserie. Figure-toi que dans le dernier épisode, cette grosse bourde de Barbara se rend compte qu'elle a accidentellement greffé le cerveau d'un serial killer à Miss Pinstock, la vieille octogénaire. Si c'est pas malheureux! Bon, ne bouge pas, faut que j'aille au petit coin. Quel cauchemar! Salut, ça va? Non. J'ai acheté une webcam à ma mère et elle me dérange toutes les 5 minutes. Je suis au bout du rouleau. Y'a quelqu'un? Attends, tu sais quoi? Je vais lui parler. Je
je sais trouver les mots justes avec les vieilles. Enfin, je veux dire, avec les mères. Bonjour, madame. Ah, Heidi. Oh. Comment allez-vous, chère madame? C'est moi, Richard, le voisin de votre fille. Ah oui, je ne vous avais pas remis. Normalement, c'est à votre infâme odeur de mouton mort que je vous reconnais. Désolé, mais là, c'est au-dessus de mes forces. Allez, Richard, reviens. Ne te fâche pas, quoi. Un problème? Non, c'est rien, Lucien, je... Lucien, attends. Les ordinateurs, tout ça, c'est ton truc, non? Non, franchement, c'est énorme. T'as vu la scène où les mercenaires reviennent dans le camp des méchants, sous la pluie, et celle où ils font exploser l'hélico, et le coup des champs de mine? Tu te souviens de toutes les scènes? Ben oui, pas toi? Non. C'est pas grave. Allez, salut. Je suis désolée pour tout à l'heure. J'ai pensé que ce serait sympa que tu reviennes prendre un café. Ma mère ne nous embêtera plus, promis. Dire que je t'avais trouvé un prétendant, le petit Clément Fifrelin. C'est devenu quelqu'un de très bien. Il a une situation, lui. Il est docteur. C'est lui qui s'occupe de mes varices. Ben oui, maman, je sais. Mais non, ma fille préfère parader en redingote au mois de juin avec des pique-niques qui sentent la pique. Ben oui, maman, je sais. C'est un monde, ça. Moi qui me suis saignée aux quatre veines pour t'élever. Voilà comment tu me remercies, en fricotant avec des saltimbanques mal peignées. Ben oui, maman, je sais. Comment t'as fait ça? Mamie discute avec une vidéo de moi enregistrée tout à l'heure. Lucien a modifié le programme pour lui repasser en boucle. Ah, oh, c'est génial. Bon, on se le fait, ce petit café? Ok. Bon. Eh ben voilà, je dois me faire une raison. Y a pas eu de signe et y en aura jamais. Je vais pouvoir déprimer sereinement tout l'été. Ma pauvre loulou. Salut. Faut que je te laisse. Un miracle. Je te rappellerai pour te raconter. Ta mère m'a dit que je te trouverais là. Ah, ben oui. Mon père a un super mal de tête, il supporte plus le moindre bruit. Alors, comme je dois répéter ma guitare, je me suis dit que... peut-être ici... Tu as bien fait. J'aimerais bien jouer comme toi. C'est pas dur, tu sais. Si tu veux, je te montre les accords de base. Tu crois que j'y arriverai? Bien sûr. Tiens, essaie. Quelqu'un a dit, il y a toujours 1000 soleils à l'envers des nuages. Je commençais à en douter sérieusement. Mais d'un seul coup, tout s'est éclairé grâce à un signe, un tout petit signe. Finalement, les vacances commencent plutôt bien, non?